Parce que l'art et la culture innovent aussi loin des villes, le magazine Champs Libres explore les initiatives étonnantes au cœur des campagnes de la Nouvelle-Aquitaine. De Contis, on connaît les dunes, les plages, mais moins le festival de courts-métrages. Du cinéma grand écran avec l'océan pour horizon. La photographe Christelle Westphal a imaginé une étonnante coiffe végétale pour une série de portraits où il est question de porter la terre. Rendez-vous au bout du monde à Jarnage, depuis l'atelier du percussionniste Léquanine. Depuis son petit village de Dordogne, la chanteuse, musicienne et photographe Dawa Salfati se fait exploratrice des sonorités du monde. Le beau roman « Ici ça va » de Thomas Vinot est à savourer dans notre rubrique « Lu ». Dans le village de Morins en Dordogne, avec la nature pour seul décor, la compagnie du Théâtre du Roi de Cœur a fondé un festival aussi poétique que stimulant. Champs Libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine, ça commence. Il y a les dunes, il y a la plage, mais aussi un cinéma arrêt-essai qui abrite un festival de dimension internationale. Les deux, fondés par Betty et Rainer il y a presque un quart de siècle. Rainer était un fou amoureux de Contis. Et lui, bon, on avait envie tous les deux d'avoir un lieu, ça c'était clair, mais ici j'y croyais pas du tout. Et en fait, à partir du moment où on a commencé, eh bien, tout de suite ça a été mais passionnant. Tout de suite, on a vu toutes les choses qu'il y avait à faire, toutes les demandes du public, tous les rêves qu'on pouvait mettre nous en place, nos rêves à nous, et c'était extraordinaire. Nous, notre devise, c'est Urbi et Orbi, comme le pape, ouvert sur la cité et sur le monde. Et comme ici, on ne fait rien comme tout le monde, ce festival est entièrement dédié au court-métrage dans toutes ses formes. Je dirais qu'il y a beaucoup de projets qui parlent de notre monde aujourd'hui. Après, il y a des œuvres qui sont plus ésotériques, plus poétiques. Et ça, c'est aussi d'autres chemins, des respirations dans des programmes qui sont plus chargés émotionnellement. Moi, je suis un fou ! Tiens, sale clochard ! C'est moi, clochard ! Je suis un clochard, moi ! Ah ! Je suis un clochard, moi ! Ah ! À Contis, il y a tous les ans, depuis quelques années, des présentations de projets via Talents en cours où 6 projets sont retenus. Et en tant que producteur, je viens écouter un peu les projets pour voir s'il y a des choses qui, moi, pourraient m'intéresser. Bien, allez, on enchaîne. J'invite Camille, Camille Duvaude pour Ness. Vous pouvez l'applaudir bien fort, elle en a besoin. Je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. Je suis originaire de Seine-et-Marne. Je pense que c'est là d'où je puise toute mon inspiration, parce que c'est là-bas que j'ai fait ma première rencontre avec le cinéma. Donc Ness, c'est un film initiatique de 30 minutes. Ness, ça rime avec jeunesse, mais c'est aussi le surnom qu'on donne à Nesrine, l'héroïne de mon film. L'enjeu de ma présence ici, c'est déjà d'avoir une visibilité autre que moi toute seule dans ma chambre avec mon ordinateur et mon histoire que personne ne lit. Le pitch, c'est quand même un exercice particulier, donc c'est bien aussi pour un auteur de savoir parler de son histoire. Et puis, rencontrer des gens, d'autres auteurs, aussi des producteurs, mais aussi des réalisateurs qui ont des sensibilités différentes et qui seraient disponibles pour donner leur avis sur nos histoires. Quoi. On rencontre un certain nombre de ces auteurs à la suite des séances de présentation pour les aider à améliorer leur projet et à leur expliquer comment progresser et se mettre un peu sur le marché, entre guillemets, pour avoir le plus de chances de pouvoir les mener à bien. Si le Festival du court-métrage accueille des jeunes talents, il s'est aussi ouvert depuis quelques années à la réalité virtuelle, la VR pour les spécialistes. La réalité virtuelle, ce sont des films qui sont qui nous immergent, nous spectateurs, utilisateurs, dans la narration, dans l'histoire. On porte un casque. On rampe partout par terre parce que du coup on se retourne pour regarder tout le décor. Ça, c'est une expérience vraiment en 3 dimensions, voire en 4 dimensions, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est le son qui nous amène parfois quelque part. Parfois on va voir par curiosité pour voir s'il ne se passe pas des choses par derrière. Non, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Thank you.
la VR est en train de prendre un peu ses marques, de se déployer. C'est pas du cinéma, mais en même temps, c'est naturellement un peu le public du cinéma, du théâtre, du jeu vidéo, du spectacle vivant. La réalité virtuelle demande de se réapproprier un nouveau langage qui pour l'instant n'est pas encore complètement défini, pas complètement au point. Donc il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. C'est vrai qu'il y a une constellation de festivals. Tous les gens qui viennent ici disent que c'est un festival exceptionnel. C'est un festival qui est tellement différent. C'est vraiment un festival de cinéphiles et de gens qui viennent voir des films. Je pense que Contis Plage, c'est magnifique, mais Contis Cinéma, c'est encore mieux. Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Les penseurs et auteurs Pierre Rabhi ou Chantal Spitz ont porté sa coiffe végétale. Ils ne sont pas les seuls, car depuis 2003, Christelle Vespal a photographié près de 400 personnes portant cette étonnante couronne végétale. Fascinée depuis l'enfance par la nature et le vivant, c'est à la faveur d'un voyage au Japon, puis de la découverte d'un rituel de fertilité en Inde, que l'artiste débute sa série de portraits. Elle imagine une coiffe de terre dans laquelle elle plante d'abord du blé, symbole de fertilité, puis du chou, du céleri, du trèfle. Ouvrir à d'autres végétaux a généré de nouvelles possibilités esthétiques, graphiques et poétiques, précise celle qui cherche la reconnexion à la terre autant que l'invitation à la poésie. À Argenta comme ailleurs, elle est comme une photographe de campagne, en itinérance, et propose aux gens de vivre l'expérience de porter la terre. Il y a un geste précis, c'est moi qui couronne les gens avec quelque chose de vivant, humide, parfumé et lourd. Ceux qui la reçoivent se tiennent droits, alignés, ils retrouvent leur axe cosmique. Le temps de pose est à l'ancienne, long, comme pour l'éternité. Avec son itinéraire en portraits végétaux, Christelle Vespal nous rappelle que nous sommes tous reliés au végétal et que rien n'est plus essentiel que cette sève de vie. Et si la campagne creusoise était l'épicentre de la musique contemporaine ? Connexion immédiate avec l'équanine, percussionniste connectée au monde. Le type de musique que je fais, j'ai vraiment du mal moi-même à la catégoriser ou lui donner une étiquette parce qu'elle est au croisement de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a trouvé cette petite astuce sur le travail que l'on fait ici sur le territoire. Bon, déjà, on met musique contemporaine au pluriel. Comme ça, ça permet d'indiquer... de manière assez simple, qu'il y a une très très grande diversité dans ces musiques. L'ensemble est composé de musiciens qui vivent en Allemagne, en France et en Autriche. Parce que quand on a monté l'ensemble, il y a 12 ans, nous cherchions donc des interprètes qui soient aussi improvisateurs, et pas des improvisateurs du dimanche, mais vraiment des improvisateurs qui sont vraiment de la scène de la musique improvisée. L'Europe nous paraît malgré tout la maison dans laquelle on aime bien... On vit en fait de manière permanente une forme d'échange culturel constant et quelque chose de très facile au contraire. On est arrivé ici en Creuse, il y a une douzaine d'années, mais on s'est aperçu au bout d'un an que si on ne s'occupait pas de ces musiques sur ce territoire, personne ne le ferait. On s'est dit il faut quand même qu'on organise des choses. Et le premier concert s'est déroulé il y a exactement 10 ans au mois de mars. Un concert qu'on avait consacré au compositeur John Cage. Et on a vite compris que le public ici, du fait de l'absence en fait, de pollution sonore, avait les oreilles incroyablement prêtes. Et que c'est pour ça que 10 ans après, on continue. Parce qu'il y a quand même une forme de gratification à organiser des choses dont on sait qu'elles vont être vraiment écoutées avec soin. Salfati ne se déplace qu'en mobylette. C'est peut-être sa manière à elle de rester libre. Photographe, mais surtout chanteuse et musicienne, elle est aussi bohème que mélancolique. Avec le groupe Ethno-Rock Ouatea ou le projet musical Femmes Squelettes,
Depuis un petit village de Dordogne, elle se fait l'exploratrice des sonorités du monde. Dawa, c'est mon prénom, c'est un prénom tibétain, ça veut dire la lune. Et Ouatea, c'est mon troisième prénom, mon prénom tahitien. J'ai grandi 10 ans sur une île à côté de Tahiti. Donc je pense que ça m'a énormément nourrie de la mer, de ce côté très tropical, très suave, très sensuel, quelque part dans la nature, dans la température de l'air. Je suis arrivée en Dordogne à 17 ans, c'était un peu comme une nouvelle vie. C'était un peu la terre promise. Donc c'était vraiment, ok, je décide enfin de ce que je fais dans ma vie. Donc c'était assez décisif pour moi. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça que je suis toujours là, parce que cet endroit me tient à cœur et peut-être ressemble un peu comme un cocon pour moi, une terre de recueillement. Quand on est en concert, on a l'impression de... pas rentrer dans une transe, mais quelque chose où il y a quelque chose qui voyage. Et on va dans différents pays également, donc dans différentes langues. Je chante un tout petit peu en français, mais principalement en anglais. Je fais un peu de tibétain, un peu de touareg. L'année dernière, on a monté un trio de femmes qui s'appelle Femmes Squelettes. Longtemps, j'ai été assez éloignée de ma propre féminité. Et du coup, je travaillais beaucoup avec des hommes et je me sentais plus à l'aise au final. Ça me fait du bien, en fait, de aussi créer quelque chose avec des femmes. Autre projet avec des femmes, c'est Nu Photographique. Mon père a été photographe de mode. J'ai été son assistante quelques années, donc j'ai pu observer, apprendre. Et puis petit à petit, j'ai épuré, quoi. J'avais envie de revenir à une base vraiment brute. Et donc, j'en suis venue à travailler le nu. J'en suis venue à travailler sur le corps aquatique. Et donc, j'ai créé un projet avec une amie, Noémie Lelarge. On a monté un projet qui s'appelle Sudor Ipar. Sudor Ipar, c'est dû aux glandes sudoripales, donc la transpiration. Les gens rentrent comme dans un cocon. Et en fait, ils peuvent s'allonger sous les photos. Si je devais faire un lien entre mon travail photo et mon travail musique, je dirais que c'est toujours la recherche de vouloir créer une sensation chez les gens. Ce qui apparaît le plus, c'est la recherche de créer une sensation, offrir un voyage sensoriel aux gens. Et je me rends compte que la musique a un certain pouvoir, en fait, et peut guérir, peut faire du bien. Le soleil monte sur la berge, sur les troncs, les taillis, puis les branches. Les feuillages qu'il finit par percer. Certaines de ces flèches commencent à arriver sur la surface de l'eau. Elles éclatent en cristaux de lumière. Éblouies, s'éclaboussent, bondissent dans mes pupilles. Très vite, les reflets sont trop puissants. Je dois plisser les paupières, presque fermer les yeux. L'eau est froide, sombre et opaque comme une plaque d'or. Elle frémit à peine. J'étais réveillée si tôt que je me suis décidée à aller pêcher pendant que le jour se levait. Je me suis retrouvée là, seule, dans ce murmure de bêtes et d'eau. J'ai eu cette idée d'entrer dans l'eau à la manière d'un pêcheur à la mouche, comme l'affiche du film « Et au milieu coule une rivière ». Le livre que j'ai choisi, c'est Thomas Vino, « Ici ça va, chez Point ». J'ai choisi cet ouvrage parce que c'est un ouvrage qui parle de la nature, qui parle d'un retour à la terre, qui parle d'une envie de reconstruction identitaire, psychologique. Ça raconte l'histoire d'un homme qui décide de revenir vers ses origines. Il retourne dans une maison qu'il a connue enfant. Cet ouvrage m'a touchée parce qu'évidemment, quand on lit un livre, on peut s'y reconnaître, on peut trouver des similitudes et c'est ce qui souvent peut nous toucher. Et puis ce qui m'a touchée, c'est vraiment cette osmose avec la nature qu'il recherche, où il retrouve tous ses repères à un moment donné en écoutant juste autour de lui les arbres parler, la rivière qui ruisselle, le soleil qui cogne. En regardant cette nature vivre, il revient à l'essentiel.
Dans le village de Morins, en Dordogne, la compagnie de théâtre du Roi de Cœur a fondé un festival d'été du même nom. Là, dans un champ, avec la nature pour seul décor, une quinzaine de comédiens engagés créent et répètent des spectacles durant plusieurs semaines. Si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie, tu aurais pu être un roi chef, un journaliste chef, un comédien chef, un maréchal chef. Quand elle te dit « t'aurais pu être un comédien chef », un maréchal chef dans le trou de ceci et là, ça peut être intéressant que déjà à ce moment-là, tu te dises « Attends ma cocotte, tu vas voir que je vais te sortir ». Tu vois ce que je veux dire ? L'idée était de revenir un peu à l'essence même du théâtre, de poser un plateau, de réunir qui voudrait bien venir écouter une histoire et puis de jouer. Le faire ici, ça permet de reconnecter beaucoup de gens à des choses qui sont très simples et de partager facilement, de se rencontrer plus simplement et aussi de se reconnecter à la nature et puis au travail difficile. Enfin, quelque chose de... On est là pour travailler. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment ? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette. Et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargé de venir promptement vous dire que si, dans 2 heures, vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. Mon pauvre Scapin. J'implore ton secours. Le travail que j'essaie de faire avec eux, c'est de retrouver vraiment deux personnages qui se parlent, une sincérité dans le dialogue et puis une sincérité dans la dramaturgie de ce qui se passe. On a donc 2 semaines de répétition, il y en a malheureusement une qui est déjà passée, mais on est en retard, on est toujours en retard. Quand on a 2 semaines de travail, on est toujours en retard. Là, ce que vous avez vu avec les comédiens, c'était les personnages des anges qu'on trouvera dans le spectacle Lilium de Ferenc Molnár, mis en scène par Maud. C'est un peu le tribunal du ciel et donc la metteuse en scène voulait absolument des anges. Et à partir de là, on a décidé de leur donner un look un petit peu baroudeur, mais en version complètement blanc, donc avec le petit Marcel qui va bien. Et on a choisi de blanchir les cheveux pour vraiment changer, donner un contraste entre les personnages qui sont du reste de la pièce, qui sont très humains, très bruts, et ces anges qui sont tout de suite un peu plus travaillés. Merci. Alors présent ! Prenons congé de toi ! Nous te reverrons dans 16 ans ! Et c'est bien quand la musique démarre, dites-vous que c'est le moment où vous serez derrière la botte de paille et vous commencerez à monter pour aller vous mettre en boule et après vous bougez plus. Police ! Vous nous entendez ? Il faut se lever ! Venez ! Les gens croient qu'en mourant, tout est arrangé. Se poignarder ! Arrêtez son cœur! J'ai choisi de participer à l'aventure du théâtre de Roi de Cœur. À la base, c'était une proposition d'amis, donc ça fait toujours envie les propositions d'amis. Je trouvais que le projet était très beau, le fait de s'implanter dans une région, de faire du théâtre de très tôt, de monter à la fois des pièces contemporaines, des pièces plus anciennes. Le fait de vivre en troupe pendant un mois, de vivre vraiment ensemble, je trouvais ça hyper chouette. On a été élevé, entre guillemets, éduqué théâtralement, où il n'y a pas de « je suis comédien, je suis costumier, je suis metteur en scène ». C'est que tout, on doit être, on est des faiseurs de rêves, on est des faiseurs de théâtre. C'est déjà pas mal. La contrainte du troc, je me souviens, la première année, on nous avait demandé de créer des spectacles unplugged, c'est-à-dire sans électricité. Aujourd'hui, on a le droit à l'électricité, mais j'ai quand même cherché à retrouver cette contrainte qui, moi, me plaît beaucoup, parce que c'est comme retrouver la poétique de l'enfance, où quand, avec un bout de bois, on peut en faire tout. Un bout de bois, ça devient une épée, ça devient un micro, ça devient une baguette magique. C'est la pleine lune! 40 loups se tiennent assis. Tout le clan est réuni, depuis les vétérans gris clair qui peuvent à eux seuls chasser le daim, jusqu'au jeune loup noir de 3 ans qui s'en croit capable.
Les spectateurs ici voient les acteurs qui jouent dans plusieurs spectacles, donc s'attachent à la famille, ils s'attachent aussi à ce qu'on fait et ils commencent à nous faire confiance. Donc on s'est dit, ce serait bien aussi de leur montrer aussi ce qu'on aime, ce qu'on a aimé dans l'année. Nous, on est fiers d'avoir un endroit pour mettre en avant le travail de certains artistes, mais en plus de ça, c'est pour les spectateurs aussi offrir autre chose que nous, toujours. Sur nous. Oh là, prends le bas de combat. Tout droit dehors. La barre ouest, nord-ouest. On pompe, les gars. Vous deux, on pompe. Allez, j'ai moi cette barcasse. Au début de cette aventure, on savait vraiment pas où on allait. Et petit à petit, c'est en faisant en fait qu'on s'est rendu compte à quel endroit on était utile et nécessaire. Et c'est aussi moi, en allant travailler pour d'autres institutions, pour d'autres choses, que je me suis rendu compte que j'étais utile ici et nulle part ailleurs. C'est d'abord le lieu que je trouve le plus beau sur Terre. L'endroit dans lequel j'éprouve certainement le plus de sensations, que ce soit de la charge émotionnelle, que ça aille du bonheur au stress, aux angoisses, et puis à la fatigue aussi. C'est un endroit où je me sens profondément utile, et je pense qu'à partir du moment où on trouve un endroit où on se sent utile et nécessaire, c'est déjà beaucoup de choses. J'ai payé mon tour, je suis montée sur le cerf. J'ai pas dit un mot, j'ai juste parlé à ma copine. Qu'est-ce que vous lui voulez? Elle a rien fait, c'est Lilium qui est venue tout seul. Je m'en fous! Je vais pas me coller la police sur le dos et me faire retirer la licence! Salope! Salope toi-même! Il te regarde dans les yeux! C'est toi à côté! Je soutiens pas son regard. Il aime pas ça de pas travailler, c'est pour ça qu'il m'a tapé dessus. Des apéros, de la bonne musique, c'est ça qu'il faut! La belle vie, quoi! Fastoche! Oh, je te donnerais même la bague de mon pauvre mari, paix à son âme. Qu'est-ce que tu veux encore? Moi, je vais avoir un bébé. Et comment tu disais déjà qu'on pourrait peut-être trouver de l'argent? Ouais. Combien? Quelques sacs, je suis un malin, tu peux me suivre sans souci. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Oh! Toi, tu clignes un œil et t'as deux balles dans la peau! Il est 6h25! Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pour garder? Ouais, mais pas à moitié! Quand ta fille aura 16 ans, tu redescendras sur Terre pour une journée. Moi? Oui, toi! Comme dans les légendes que tu as pu lire. Où les morts réapparaissent. Je croyais que c'était des bobards. La vérité, tu vas le voir. Ils sont tous passés au purgatoire. Tu les as renvoyés sur Terre pour les mettre à l'épreuve. C'est une sorte d'examen. Oui. Et on me dira quoi faire. Non. C'est formidable. À chaque fois, ils nous emmènent dans un univers différent. C'est une chance d'avoir ce groupe, parce qu'en plus ils sont bons, ça bosse bien, c'est plus qu'important, ça redonne une vie à cette commune énorme, énorme. Dans le prochain numéro de Champs Libres, focus sur Respire Jazz, ou comment le jazz se fait convivial et exigeant au cœur d'un village charentais. Gabriel Duplantier a photographié le Pays Basque des deux côtés de la frontière. Une magie noire à découvrir dans notre rubrique Vue. C'est avec le peintre et muraliste péruvien Maco Moya que nous vous emmènerons au bout du monde. Rencontre avec Yannick Jolin, conteur et homme de scène d'exception. Dans la rubrique Lue, des arbres comme vous n'en avez jamais vu. Le meilleur de l'électro, de la pop et de la gastronomie se donne rendez-vous le temps d'un week-end. C'est Vie sauvage à Bourg-sur-Gironde. Champs libres, loin des villes, le magazine des arts et de la culture en Nouvelle-Aquitaine.